sur la corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Bob Bernard. Salut On va donc analyser les changements et il y en a beaucoup pour les Barathéons avec cette nouvelle mise à jour 2022 qui vient de paraître. On va commencer sans plus attendre avec les attachements. Donc en premier, ou devrais-je dire en première, la Prêtresse Rouge. Donc le sacrifice divin, à chaque fois que vous allez attaquer, que ce soit au tir ou en mêlée, vous allez pouvoir subir jusqu'à... Blessures, et si vous le faites, vous pourrez euh, rendre le défenseur paniqué ou vulnérable. C'est vraiment une une bonne capa, c'est euh, le, le Warcry finalement. Euh, Baratheon, alors c'est un up et un nerf en même temps, puisque euh, euh, avant euh, on prenait une blessure et un test de panique, et du coup euh, l'adversaire devenait paniqué, vulnérable. Là, on peut faire un choix, donc on peut choisir de prendre qu'une seule blessure et faire que paniquer ou que vulnérable, selon la situation, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis bah, les unités qui ont un faible moral peuvent en profiter. Alors je pense aux Lightbringers qui n'ont pas un faible moral, mais si ça se rate relativement facilement avec un, un craquage, c'est vite arrivé. Et donc quand tu te retrouves à prendre 4 wounds pour mettre paniqué vulnérable, c'est compliqué. Là, ce bah, sera fiable, C'est tu veux paniquer vulnérable, c'est 2 wounds. Et comme... Avant, tu peux le faire à chaque attaque. Donc typiquement, euh, des Bastard Girls par exemple. Bastard Girls, ben tire, paniqué vulnérable. Les Bastard Girls vont mettre un vulnérable. Donc derrière, je vais prendre qu'une troisième wound pour remettre un paniqué pour la charge, par exemple. Et du coup, on se retrouve à mettre quatre tokens. Enfin, euh, et, et on revient un peu à l'ancien, euh... à l'ancien système, hein, finalement, qui était, qui était quand même très très violent. Je, je suis pas sûr que ce soit très rolloir, mais euh, bon. <laughs> Les chiens La... enflammés t'as jamais vu? Non, non, non. <laughs> non, c'est absolument par l'or, mais voilà, je prends un exemple parce que c'est l'exemple le, le, euh, le plus flagrant pour profiter à fond de épée, enfin du fait que ça s'utilise au tir comme au corps à corps et à chaque attaque, contrairement au Warcry. Non, mais clairement, hein, euh, l'attachement, il va très bien aller dans les Lightbringers, on ne prend plus trop de risques, voilà, on se mettra une ou deux blessures selon euh, l'adversaire, voire deux, euh, pour, euh, pour tout mettre. Euh, puis dans les Face -full, hein, évidemment, c'est tout à Moins, parce qu'avant, justement, le, 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 le que tu prenais, le test de panique que tu prenais, te donnait un token fois, et euh, oui. en général, tu le réussissais, voire mieux, tu le réussissais, et euh, tu pouvais... Euh... Tu ne pouvais pas cumuler avec d'autres choses, mais euh, voilà, tu réussissais, donc euh, tu étais content. Tu mettais un token fois, derrière, euh, tu te prenais un peu de blessure, mais ce n'était pas gênant. Là, à voir. À voir, parce que le fait que ça oui. déclenche plus de, de, de token, eh ben, oui, je sais pas. C'est vrai qu'on perd un peu euh, dans cette mécanique-là, mais euh, au final, on gagne un attachement qui est un peu plus polyvalent. Donc euh, pourquoi pas, on verra hein, de toute façon. Oui, et puis bon, bah, dans n'importe quelle unité, ça passe. Tiens, par exemple, les Storm pro Mercenaires. Alors c'est pas très fluff non plus, mais ça fait que du coup pour 5 points, t'as une machine à paniquer euh, euh, vulnérable, voire faut être au corps à corps, ou alors sur les archers, il bah, y a plein de choses, euh, choses qu'on peut faire avec. En tout cas, mm -hmm. c'est voilà, bien. C'est dans l'esprit, c'est bien. C'est très bien. On va du coup enchaîner avec le Master Warden. Donc euh, lui, euh, sa, capaci sa capacité pardon, stand your ground euh, a disparu et il gagne un ordre Hold the Line. Euh, donc cet ordre-là, quand l'unité dans laquelle il se trouve va s'activer, vous pourrez cibler un ennemi qui est engagé avec et il subira deux touches, plus une pour chacun de vos rangs restants. Donc ça, ça, ça devient un petit classique hein, de, de la mise à jour. Euh, bah, C'est sympa, ça permet de se dire, bah, j'ai une unité qui n'impacte pas beaucoup, mais si elle a ça, euh, le but, ça va être juste qu'elle reste engagée, l'adversaire n'aura pas le choix, soit il prendra les touches, soit, euh, soit il faudra qu'il se barre. Donc, ça peut être intéressant à forcer l'adversaire à partir du corps à corps quand on veut, par exemple, garder un objectif ou quelque chose <coughs> comme ça. Tout à fait. Puis je pense que pour le coup, on le verra parce que euh, avec la version 2021, on le voyait pas vraiment. Hein, Stand Your Ground, c'était quand même assez euh, anecdotique. Euh... Enfin bon, voilà. C'est une investiss... bonne capa. Hein oui, c'est une bonne capa, mais on n'investissait pas un point dedans. Euh... Parce que c'est un problème, Baratheon, t'as pas un point. Oui. T'as pas un point et on verra si c'est pas le même problème. Mais. Euh... Actuellement, c'est un problème, C'est t'as pas un point à dépenser parce que t'as quand même des unités qui sont chères. Les champions qui valent 8, les stag qui valent 8, après t'as les, euh, les, les, les kingsmen, queensmen, euh, rose knight à 7, etc. Donc finalement, t'avais pas de points pour un attachement. Et si t'avais un point, tu prenais surtout pas celui-là. quoi. Mm, ça. Donc là, à voir. Franchement, je pense que c'est un bon attachement, mais il aura toujours ce même problème. Si tu mets par exemple dans les warden classiques, ça fait 6 points l'unité pour prendre un objectif. Bah, Est-ce que t'as le luxe de le faire on verra. Ça, ça se tentera. Euh, ensuite, on a niveau NCU, Mélissandre qui perd un point. Donc elle coûte 5 points désormais, mais elle n'a pas changé. Donc euh, très très bonne nouvelle pour nous les, les adeptes de Rollor. Euh, on est très contents de, de ce changement. Je dirais pas mieux. <laughs> non, euh, le seul défaut, entre guillemets, c'est que ben, on va encore plus vouloir la jouer. Et ben... Ça reste toujours un petit peu un côté NPE chez Mélissandre. Quand tu, quand tu prends tout dans la tronche, euh, pff, voilà, quand tu fais des tests que tu rates à 3, euh, mm. tu passes à 5, machin, bon, ça fait beaucoup. Mais euh, après, on... Je on va le voir juste après. Euh, Axel a un petit peu changé à ce niveau-là, donc euh, on ne pourra pas forcément faire la combo des deux euh, comme on faisait avant. Non, moi je suis très content, on la voyait pas assez Mélissandre, et maintenant on va la revoir, et puis c'est Fluff, donc euh, allons-y. Euh, on parlait d'Axel, on va du coup enchaîner sur lui, euh, lui aussi il a changé, donc euh, Axel NCU c'est toujours une influence, euh, cette fois quand vous allez influencer un ennemi, à chaque fois qu'il ratera un test de panique, il deviendra affaibli, et si cet ennemi, euh, en étant influencé, est également engagé avec une unité relore, il subira plus une blessure sur ses tests de panique ratés. Donc euh, on voit que l'aspect contrôle qu'il offrait auparavant en, en jouant sur les zones, donc soit sur la, la couronne pour une, une blessure supplémentaire, ou la lettre pour empêcher l'adversaire de jouer des cartes, ce, ce côté-là disparaît, mais euh, là on... On, on le voit clairement, euh, il fait un peu la paire avec Mélissandre NCU à 5 points, je dirais. Euh, parce que si on décide de tout mettre sur la même unité, ça va vraiment être euh, efficace. Quoi. Après, bon, il faudra que le test de panique passe. Hein, ça. Ouais, mais ne serait-ce qu'en fait, euh, on... l'influence, on la prévoit à l'avance. Tu te dis, bah je vais tirer dessus avec mes Lightbringer au hasard. <coughs> oh bah il va rater un test de panique, il va devenir affaibli, donc double peine. Euh, à un moment, si tu te mets à charger avec une interlore euh... Bah, une wound en plus, je pense au face full forcément, euh... donc voilà ça, ça commence à devenir vachement intéressant. Donc c'est un ncu qui est plus conditionné par les, les zones et ça c'est une bonne chose parce que on, on va le voir après que globalement ça, ça a été limité. Avant c'était vraiment euh... il y avait trop de mécaniques en baratheon qui nécessitaient des zones et ça ça, ça a changé et c'est une bonne chose. Il y en a toujours donc ça reste un peu euh, bah, typique de cette faction mais ça reste c'est plus à tout va quoi clairement on va ensuite finir pour les, N les NCU pardon, avec Célise et Chirine donc euh, elle, elle monte elle euh, coûte désormais 6 points donc c'est le gros NCU euh, du, du côté Stanis. Euh, toujours euh, la, la fervente conviction donc l'influence, quand vous influencerez une unité euh, vous pourrez euh, lui donner plus 1 en morale sur ces jets de morale et de panique et si un ennemi est engagé avec, il subira euh, une blessure pour les tests réussis et par contre, là où ça change, c'est le sacrifice nécessaire. Donc, une fois par partie, vous pourrez choisir de laisser euh, une unité détruite en vie avec des 3 PV. Euh, et jusqu'à la fin de la partie, cette unité sera relore. Et attention, cette capa ne nécessite plus le sacrifice du NCU. Donc, on ne perd plus le NCU. Et c'est pour ça qu'on monte le coup en point, évidemment. Et ça devient sacrément balèze. Oui, bah, as tout dit. Hein. C'est. Euh... C'est très très bien, alors moi au départ, quand j'ai vu 6 points, je me suis dit, purée, ils abusent. Euh, déjà 5 points, c'était pas évident à placer, donc 6, euh, on la verra plus. Puis euh, m'a fallu un petit peu de temps pour voir qu'on perdait plus le NCU. Et waouh, se dire une fois par, une fois par partie, j'ai déjà une unité qui restera en vie, quoi qu'il se passe, quoi donc euh, on, pourra pas, on pourra pas le bloquer, on pourra pas. Non, euh, parce que ça en plus, alors éventuellement, euh... j'allais dire un truc, mais non, même, même Baristan et compagnie, ça fonctionne pas. Puisque le trigger, c'est quand l'unité est détruite, donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de notion de target, donc même Baristan ne pourra pas bloquer euh, euh, ça. Donc, voilà, ton unité, tu veux qu'elle reste en vie, bah, elle restera en vie. Et ça, euh, ça c'est vraiment très fort parce que tous les trucs qui restent en vie sont conditionnés à minimum à la réussite de la carte pour What is Dead en, en Greyjoy, pour euh, To the Last, il faut réussir le test de morale. Et ben bah, celle-ci, c'est non, c'est voilà, elle reste en vie. Point. Et euh, c'est encore un cadeau de relore bien fait du, du maître de la lumière, hein, décidément on est gâté. Et euh, on va poursuivre. Peut-être euh, qu'un euh, certain euh, sacrifice euh, à payer. Oui, oui, oui. <rire> <rire> du coup, euh, on va passer sur les, les cartes tactiques puisqu'il y a eu des changements. Donc la première, ça va être la Baratheon Conviction. Donc, cette carte-là, elle a pas mal changé. Quand une unité euh, amie réussira un test de morale, vous pourrez vous soigner de deux blessures. Et si vous contrôlez la couronne, tous les ennemis engagés avec subiront un test de panique. Et si vous contrôlez euh, l'enveloppe, euh, chaque ennemi engagé pourra. Enfin, euh, vous pourrez lui mettre un condition token de votre choix. Donc, si on contrôle les deux, on peut faire les deux. Au voilà. hasard, un token paniqué suit un test de panique. Au hasard. <laughs> Au hasard, hein ça ça comme ça. Oh, C'est génial parce qu'en fait, euh, contrairement à, à avant, euh, là, il y avait la baratée en justice qui soignait de deux sous condition. Là, c'est une carte qui soigne sans condition. Donc ça aussi, c'est top. Parce que c'est ce qui manquait. Parce que souvent, on se disait, mince, je me suis pris une attaque au début de drown, par exemple. ben bah, Pas de bol, j'ai pas eu le temps de prendre mon enveloppe. Donc euh, ma carte, elle me sert à rien. Donc faut que j'attende un peu plus tard. Là, au moins, tu as la carte, tu sais qu'elle va soigner de deux Et le deux, les autres effets, en plus, sont très très bons. Parce que la couronne, bah, la couronne, c'est ce qu'on recherche, euh, on va dire, principalement côté, euh, côté Stanis, parce que, enfin, surtout Stanis 1, par exemple, qui remplace la couronne par, par des tokens, etc. Et tu mets un test de panique, bah, un test de panique comme ça, ça ne paye pas de mine, mais si tu rajoutes des influences euh, euh, influence avec Axel des choses comme ça, bah, ça peut tout de suite être un peu embêtant. Et puis, bah, le... Le, le deuxième, là, avec l'enveloppe, euh, tout le monde gagne un, un coin de son token. C'est très très bon, quoi. Oui, oui on en veut. Hein. <laughs> ah, mais ça c'est excellent parce que bon, si ton unité, elle encaisse beaucoup et bizarrement, elle peut encaisser beaucoup parce qu'entre les two the last et puis Célise, euh, tu peux faire en sorte qu'elle résiste assez longtemps et donc euh, l'adversaire mette beaucoup de ressources. Donc l'adversaire va engager peut-être pas mal d'unités et toi, tu pourras lui dire, bah voilà, maintenant toutes tes unités prennent un token. Mais au choix. Bah tiens, celui-là il prend affaibli, celui-là il prend vulnérable, celui-là il prend paniqué. Ah bah. Et ils prennent tous cette test de panique parce que j'ai aussi la couronne. Bon, c'est situationnel le reste, mais. Mais voilà, c'est une super bonne carte. Et ouais, ça va faire des blagues. On peut passer ensuite sur la deuxième, la Baratheon Justice. Donc cette carte-là, après qu'un ennemi ait terminé une attaque. L'attaquant, donc euh, votre ennemi, hein, deviendra paniqué vulnérable. Et si vous contrôlez la couronne ou la lettre, il deviendra également affaibli. Salade, tomate, oignon, on adore. Voilà, alors là, un trigger facile. Effet top. Et condition euh, un des deux, une des deux zones. Bah, rien à dire. Une carte encore top. Mmh. Ça va être très très fort ça comme carte. Une fois qu'on aura la zone. Euh, c'est une espèce de Warcry amélioré après avoir subi une attaque. Ça, ça, C'est vraiment l'esprit baratéon, on le ressent avec ce genre de cartes. Pas conditionné au corps à corps, ça peut être n'importe quelle attaque. Donc, oui. euh, un, un truc un exemple tiens, des piqueuses, des vétérans euh, Targaryens, des bastard girls, des euh, pff, trucs comme ça qui nous fait une attaque au tir et qui va charger derrière. Ah bah attends, j'ai l'enveloppe ou la couronne, donc tu deviens affaibli, maintenant charge-moi. Ah mince, c'était pas prévu comme ça et et voilà il y a des belles choses à faire. Mm. Moi j'aime bien, c'est voilà, une très bonne clairement, carte. Pour l'instant, euh, voilà, 100... mais... voilà deux très bonnes cartes. Et on va du coup oh. arriver euh, sur la troisième final strike. Donc cette carte là aussi elle a un peu changé. Quand un ennemi euh, terminera une attaque de mêlée sur vous, pour chaque euh, blessure que vous aurez euh, subie. L'attaquant subira une touche, et si vous contrôlez la couronne, l'attaquant subira moins un CG de sauvegarde par rapport au hit qu'il va subir. Oui, on a deux petits changements là. Le premier, c'est que c'est conditionné à attaque de mêlée. Avant, ça marchait aussi au tir. Et euh, maintenant, c'est systématiquement l'attaquant qui va prendre les touches. Donc l'attaquant va se prendre les touches. Euh, avant, c'était une unité engagée. Donc, ça a changé deux choses. C'est que la première, bah, ça pouvait être n'importe quelle unité engagée. Et la deuxième, c'est qu'il fallait être engagé. Là, si on se prend une mêlée attaque et que l'adversaire n'est plus engagé, au hasard avec des hunters par exemple, qui vont faire leur retraite, ah oh bah je suis plus engagé. Ah bah oui, mais euh... peu importe, t'es plus engagé, mais tu prends les touches parce que t'es l'attaquant. Ça si va été détruit. L'unité qui a été détruite. Ah oh bah tu m'as one shot, tu m'as mis 12 wounds, ça fait mal, bah tiens, prends tes 12 touches maintenant. Donc euh... voilà, une carte qui est devenue vraiment, vraiment violente. Mm -hmm. Voilà. Euh... Le petit défaut, c'est qu'elle va elle elle plus euh, achever une autre unité. Avant, euh, on avait une autre unité, on chargeait une unité Baratheon et on se disait Merde, euh, si la Final Strike, euh, mon unité à côté qui a plus qu'un ou de PV, elle va se prendre les touches. Maintenant, euh, c'est plus possible. Si tu attaques avec une unité, c'est elle qui prend les touches. Donc euh, voilà, un micro-nerf, mais pour gagner un, un bon up d'après moi. Ah, euh... oh, complètement. Et euh, bah, moi, je vois déjà le, le, un bel enchaînement qui peut se faire en faisant une conviction. Puis un final strike, puisque ce ne sont pas les mêmes triggers. Hein. Par exemple, vous réussissez votre test de morale. Vous aurez, euh, bon, la plupart du temps, vous irez quand même chercher la lettre, donc vous pourrez mettre un token. Au hasard, invulnérable. Et derrière, vous faites un final strike. Là, vraiment, il va y avoir des, des, euh, des, des belles choses à faire. Euh. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On en a fini du coup avec les cartes tactiques euh, du deck Baratheon. On va donc passer aux unités et leurs changements. Et on va commencer tout de suite avec les Queensmen, les R Lord Queensmen, donc eux, deux changements, euh, le To the Last, donc euh, cette capacité elle a changé pour tous ceux qui l'avaient dans le jeu, donc euh, cette capacité maintenant vous allez placer deux tokens cœur sur la carte au début de la partie, à chaque fois qu'elle devrait être détruite l'unité vous devrez euh, enlever un des tokens, euh, vous allez faire un test de morale, si vous réussissez l'unité ne sera pas détruite détruite pardon et restera en jeu avec une blessure. Euh, ensuite, autre changement, le 5 en moral. Vous avez un meilleur moral avec les Queensmen qui étaient à 6, donc là le 5 est clairement bienvenu. Et l'ordre Queensblade qui se retrouve amélioré parce que euh, il reste identique mais les cartes ont changé et sont bien meilleures. Carrément. Et euh, du coup, euh, nos deux cartes Baratheon en conviction et Baratheon en justice qui foutent des tokens à tout va. On va pouvoir les récupérer à chaque fois avec les Queensmen. Et comme euh, les Queensmen, c'est quand n'importe quelle unité relore est, est attaquée à short range, euh, ça veut dire que bah, peu importe quoi. Tu pourras pas te dire bah je vais les ignorer et puis ils récupéreront pas leurs cartes. Non. Tu vas tirer sur mes lightbringers, bah attends, je vais récupérer la conviction. Ah bah tu vas euh, tu, tu me fais ça, bah et enfin. Super. Vraiment une bonne unité. 5 en morale, donc euh, c'est ce qu'il leur fallait pour. Euh, Là, pour réussir la barater en conviction. C'est con, mais récupérer une carte qu'on n'arrivait pas forcément à, à placer, euh, c'est dommage. Donc là, la, la 5 plus va bien aider. Puis pareil, pour rester en vie avec tout, tout le reste. Donc c'est vraiment une unité qui va pouvoir rester en vie. Alors oui, l'adversaire peut ne pas taper dessus. Euh, après, elle tape correctement, donc cette des 3 plus. Donc tu peux, si tu veux l'ignorer, elle peut quand même te faire mal. Donc ça reste une très bonne unité. Et, euh, et voilà, et puis tous the last, qui ne, tu mets plus de tokens et du coup tu peux user les deux tokens sur la, les deux, les deux tous the last en fait sur la même attaque. C'est bien, c'est vraiment bien. Oui, et puis préciser aussi que tous the last maintenant est une capacité innée, hein, donc rien ne vous l'annulera. C'est vrai, parce que ça, tiens, j'avais pas fait gaffe. C'est une bonne remarque, j'avais pas fait gaffe parce qu'il y a pas longtemps, bah, j'ai fait une partie avec mes Kingsmen qui étaient tout bien, euh, et puis on m'a annulé mes Kappa et on me les a one shot derrière. Bah, J'étais triste parce que tu te dis, ben bah, voilà tu payes une capa que tu peux pas du tout utiliser il reste pas en vie machin bah là euh, au moins t'as toujours ton touselas pour rester en vie au moins une fois quoi et ça, ça. après faut réussir les, tous les tests de morale, hein, mais mais si tu le fais bah t'es es content quoi ouais, tu restes donc, avec ton des trois euh... pv euh, un pv tu restes avec un pv mais mais c'est chouette entre cette capa et puis euh, et puis euh, Célise, ça devient solide oui 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 complètement. complètement et puis ben voilà au moins l'unité ben, euh, on peut se dire qu'elle va soigner régulièrement euh, euh, elle sera cool quoi Donc, clairement On va du coup passer ensuite euh, aux hommes du roi les Kingsmen Donc eux on va pas revenir sur le To the Last ils l'ont aussi euh, même changement Par contre ils ont perdu le Thundering en capacité d'attaque mais ils ont gagné une autre capacité qui est Kingsblade Donc euh, avant d'attaquer le temps, hein. vous pourrez aller chercher dans votre deck ou dans votre défausse pour euh, un, une carte Hours is the Fury. Euh, vous pourrez l'utiliser euh, au moment où vous attaquez ou euh, l'ajouter à votre deck, enfin euh, l'ajouter à votre main. Donc, euh, c'est quand même euh, voilà. Vous avez perdu une petite capa, mais derrière, vous avez une capa pour aller euh, faire de la récursion de cartes ou aller chercher une carte pour, pour buffer votre attaque immédiate. Donc, euh, c'est assez sympathique. Ouais, ça c'est un changement que je trouve très très bien, parce que, euh, autant euh, pour les lords queensmen, tu te disais, bah, à chaque fois que quelqu'un se fait attaquer, ils vont récupérer une carte défensive, ça paraît logique. Là, que les kingsmen récupéraient une carte offensive à chaque fois qu'ils se faisaient taper, c'était compliqué, parce que si l'adversaire disait, bah, je tape pas dessus, comme ça tu récupères pas ta carte pour me taper dessus, c'était dommage. Là, c'est bah, si je te tape, et si je te retape, bah, je vais la rechercher, et si je te re-retape, je vais la chercher. Donc typiquement, euh, je prends les épées, je tape, je les active, je tape. Oh ben Andrew, commandant, euh, assaut order, je retape. Trois fois où on va chercher la Hours is the Fury. Donc Hours is the Fury qui nous permettra de prendre Sundering à chaque fois si on veut. Plus d'autres bonus selon les zones. Donc euh, nickel. Vraiment, euh, je la trouve bien pensée. On va regretter qu'elle n'ait pas aussi 5 en morale parce que... Voilà, mais <laughs> en vrai, en vrai, c'est pas nécessaire. C'est une super bonne carte. Donc, euh, une super bonne unité. Moi, j'aime beaucoup. Je suis content de pouvoir rejouer ces deux unités parce que c'est des belles figues. Euh, voilà, ça a de la gueule sur un champ de bataille. Et maintenant, en plus, c'est très bien. Mmh. Ouais, je suis complètement d'accord. On va ensuite passer à la cavalerie lourde. Donc, euh, eux, ils nous les avaient déjà révélés, sauf qu'il y a eu encore un petit changement euh, sur leur modification. Donc, euh, sur vos capacités d'attaque, ça reste pareil. Critical blow, si vous chargez, vous mettez un affaibli. Par contre, si vous démarrez le tour engagé, euh, le défenseur, avant que vous jetiez vos jets d'attaque, si vous attaquez, il deviendra vulnérable. Et également, un petit buff en morale. Donc, vous n'êtes plus à 6, mais à 5 avec ces gros cavaliers. Alors, moi, j'attendais impatiemment ce petit changement de, de morale. Parce que, parce que voilà, je trouvais que c'était dommage, qu on était à 8 points, qu'il avait bon de plus d'armure, mais 600 morale. donc plusieurs effets du deck qui jouaient pas toujours très bien sur eux, il suffit qu'il y ait un peu de malus en face et tu peux pas jeter tes cartes. Là euh... ce changement là me, me, me conviendrait déjà, on va dire. Donc le petit petit vulnérable en plus quand tu commences à engager, bah... ça rigole pas parce que vulnérable critical blow, euh... ça va. <laughs> Avec un petit Tower Is de Fury récupéré par les copains euh, qu'on a vu juste avant, et, <laughs> et c'est voilà. très bien. <laughs> Non, franchement, euh, franchement bien, une très bonne unité. Euh, euh, maintenant, tu te poseras vraiment la question, je veux des Flying Men ou des Champions of the Stag Et non pas, euh, bah, forcément je prends des Flying Men. Ouais. <laughs> Donc euh, là, tu te poseras bien la question, et moi je pense que ça va pencher en faveur des, des champions. Ah oui, clairement, là pour le coup, avec, euh, avec cette carte-là, il donne envie d'être joué. Hein. Voilà pour eux. Ensuite, on va passer à la mauvaise loyauté, les Sornwatch. Donc, euh, aucun changement si ce n'est leur coût en points. Donc, ils passent à 6. C'était déjà une bonne unité pour 7 points. Euh, les, les joueurs ont mis du temps, je dirais, à, à bien les prendre en main. C'était pas facile au début. Puis au final, ils ont vu qu'il y avait du potentiel avec, euh, avec cette unité-là. Et là, ben, bonne surprise pour eux. Euh, baisse de coût en point Ils arrivent à 6. Donc ça débloque un peu les listes. On va pouvoir rajouter un attachement euh, du côté infâme. Enfin bref, voilà quoi. Ouais, bah... Allez, on va être sympa un peu. On va être un peu sympa. Moi, c'est une unité que j'aime beaucoup. Euh, je ne jouerai pas Renly, il ne faut pas déconner. Mais euh, <laughs> s'il y a bien une unité que, qui m'aurait plu dans, dans ce côté-là, c'est cette unité. Parce que euh, bah déjà, c'est une unité qu'il faut maîtriser. Donc moi, je trouve que c'est vachement plus euh, satisfaisant de se dire, purée, j'ai réussi à faire des trucs chouettes avec mon unité qui était un peu tricky, il fallait... Il fallait réussir à la jouer correctement pour qu'elle soit efficace et non pas juste bah, je fais rien et je tape. Donc c'est une unité qui est vraiment intéressante. En plus, bah, le, soin, le soin avec le Swift Retreat, bah, c'est vraiment top. Donc euh, une super unité. 6 points, bah, six points, c'est une très très bonne unité du coup. Moi j'aurais juste préféré qu'elle est adaptative et, euh, et du coup mettre un attachement quasiment obligatoire. Mais euh, bon, ça ne change pas grand grand chose. C'est juste que maintenant, certains commandants dedans, je trouve qu'ils sont très très forts. Mmh. Oui, oui, clairement. On va arriver euh, à, au dernier changement hein, pour les Baratheons. Côté Stannis, on revient dans la lumière avec euh, les emblématiques Lore Lightbringers. Donc, euh, aucun changement sur la carte, si ce n'est. Également le coup en point. Donc, euh, baisse de coup en point pour ces archers dévastateurs. On arrive à 6 points. Donc, pareil, hein, ça, ça nous débloque le, le bon côté. On va pouvoir ajouter un attachement. Peut-être euh, la, la prêtresse qui va être très bien dedans. Davos, toujours. Euh, puis même, euh, on Brosse, hein. un point. Oui, ouais. ouais c'est moins un baratéon, <laughs> baratéon, mais voilà. Non, mais c'est ça, moins en fait. <laughs> c'est que maintenant, tu leur donnes l'attachement gratos, finalement. Ou alors, tu débloques un point ailleurs. Alors, euh, autant euh, je suis très content des changements euh, Baratheon, autant celui-là, qu'est-ce qu'ils ont fumé quoi. Enfin, <laughs> <'fin>, je... <laughs> bon, je vais être content hein, de jouer mes Lightbringer à 6 points, mais, mais mais non, mais non, non, juste non. Parce que du coup, tu te retrouves à avoir 6 points. Une unité qui tape fort, parce qu'elle touche à 3, qu'elle a vicieux. En plus, elle va endommager le reste. Elle va comboter super bien avec le côté Stannis. Ensuite, elle a 4 d'armure. Donc, faut pas oublier que c'est euh, l'unité de tir la plus solide du jeu, je crois. Alors, maintenant, euh, ouais, en fait, on le verra dans le podcast Lannister qui a les arbas aussi. Mais euh, c'est l'unité la plus solide du jeu au niveau, niveau, euh, ouais, niveau tir pur. Et maintenant, c'est une aussi des plus létales. Donc. Euh, pour 6 points, j'arrive pas à comprendre où est leur défaut. Ils ont pas Sundering Oui, certes <laughs> on, on, on rigole, <laughs> les mecs, on rigole Bref. Et Hours the Fury marche pas au tir, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais c'est bien dommage. <laughs> non, mais non, voilà. Euh, je trouve ça un peu abusé. Bon, bah, ben, on... je serais pas étonné que dans quelques mois, ils nous disent Ah oh, bah, ben, finalement, il repasse à 7. Hein. Ouais, ben. En fait, ouais, c'est toujours le même problème. Hein. Euh, si ça se retrouve à être spammé dans les listes euh, en tournoi, tout ça, ben ça va vite être calmé. Donc euh, moi, enfin euh, je pense que les joueurs qui, euh, qui veulent de la variété dans leurs listes, cela franchement y a, y a il y a de quoi varier les listes, il y a de quoi faire des belles compos. Euh, euh, entièrement relors, euh, jouer sur cette mécanique-là, et un archer sera amplement suffisant, euh, en mettre deux, je, je suis même pas sûr que ça soit aussi efficace vu euh, certains builds qu'on peut faire au moral, euh, et puis bah, les, le buff des cavaleries lourdes, quand elles vont tomber sur les archers, bah, ça va quand même faire vachement mal, donc euh, je, je suis pas certain que, que ça soit très efficace, ça sera pas efficace comme ce qu'on avait vu en Nightwatch auparavant. Donc, euh... non, je pense que c'est une idée reçue qui arrive là vite fait parce que c'est tout frais. Mais euh, voilà, pour moi, mettre une deuxième unité d'archer, ça veut dire euh, déjà avoir une unité en moins de mêlée pour tenir la ligne. Donc, je suis pas, je suis pas aussi sûr que... Après, voilà, c'est clairement un up. Mais on, on verra Objectif si... Voilà. Mais si, si les joueurs en abusent, ben, euh, clairement, euh, ça, ça durera pas... Euh... Ça durera... Euh au pire un an. quoi. <laughs> les, les joueurs Baratheon, notamment côté Stanis, sont, sont des gens très mesurés. Exactement. On, on, on sait qu'ils ne vont pas les spam, voyons. Oui, oui, oui. Sinon, il y aura, y aura de la brûlure, c'est pas grave. Même ça. Eh bien, je, je crois que c'est tout bon. Est-ce que tu veux rajouter un mot sur euh, l'ensemble des changements, euh, on va dire, pour le côté Stanis, même si euh, le deck participe au côté Renly, euh, les Sornwatch aussi, mais là, c'est vraiment... Euh, le, le, le côté, euh, la bonne loyauté qui est mise à l'honneur avec cette mage. Ben, là comme ça, euh, très très bonne, euh, très bonne update pour eux. Euh, il va falloir tester un peu tout ça. Il va falloir voir euh, au niveau NCU qui est, qui est ce qu'on choisit parce que finalement, maintenant, il y a, il y a vraiment des bons NCU. Euh, donc, euh, vraiment chouette. Le deck pour moi est vraiment top. A voir s'il n'est pas un Chouïa trop violent maintenant. Alors, euh, peut-être, peut-être pas, on verra. On verra, parce que c'est vrai qu'il va mettre beaucoup de tokens. Donc, les unités qui sont améliorées, plus les tokens qui seront un peu partout, euh, plus, euh, plus les NCU qui vont bien, euh, je pense que ça va être une, unité une armée très violente. Ils en avaient besoin, clairement. Mais, euh, voilà. A voir niveau, euh, niveau jeu, ce que ça va donner contre les autres factions, niveau match-up, est-ce que. Euh, est-ce que ça va permettre de gagner contre des matchups qui n'étaient pas bons à la base Et est-ce que ça ne va pas juste renforcer des matchups qui étaient déjà positifs on, on verra bien. Mmh. Et ben, je pense que sur ces mots, on va pouvoir conclure ce petit podcast dédié aux Baratheons et leurs changements pour cette match de début d'année 2022. Sur ce, moi, je vous dis à très vite pour les prochains podcasts qui arrivent. Allez, salut, bye, ciao Salut